La cité des Bourkis, sous le soleil, voit défiler quelques 1300 marcheurs. Reconnue par l'UNESCO en 2012, la marche Saint-Roch d'Amsuror trouve son origine au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, l'enthousiasme reste intact. Direction le château communal pour la rentrée de la procession et de la marche militaire dans la cour d'honneur. C'est le grand moment du dimanche de la Saint-Roch, oui, effectivement. C'est la rentrée dans un cadre magnifique qu'on a l'occasion d'avoir ici à Amsuror. Le soleil est là, on a déjà bien eu de la chance hier d'avoir un beau soleil après-midi pour le transfert. Et ça continue, et j'espère que ça continuera jusque mardi soir. Dans la cour du château, c'est également l'enthousiasme dans le public, toujours très nombreux et aux premières loges. Merveilleux, magnifique. C'est super beau à voir. C'est la première fois ? Non, je fais quelques années que je viens, mais c'est vrai que c'est toujours avec beaucoup de cœur que je viens voir. Je suis l'officier des flanqueurs de la garde. C'est une reconstitution assez fidèle du régiment historique. Nous, on est Bourkis, on est né par ici. C'est Saint-Roch, si vous voulez, c'est une référence. L'année, c'est un deuxième nouvel an, si vous voulez. Et la fête est double cette année pour les flanqueurs de la garde qui célèbrent leur 50e participation à la marche. Nous sommes la marche de la Société Royale Marche Saint-Roch de Beigné qui participe à la Marche Saint-Roch d'Amsuror depuis maintenant quasiment aussi longtemps que celle d'Amsuror, donc 378 ans. C'est une bonne édition, on a eu très peur parce que bon, les jours précédents c'était la pluie, ici ben, le bon Dieu est Benki et Bourki en même temps, donc on a maintenant le soleil. Un autre anniversaire, celui de la Compagnie royale des volontaires réunis de la Révolution brabançonne. C'est la 60e participation de la Compagnie à la Saint-Roch d'Amsuror. Nous fêtons le 10 septembre notre 60e anniversaire. Ce moment au château, c'est toujours un moment particulier. Oui, c'est sûr. Surtout que nous arrivons les premiers, donc on a le temps de voir tous les autres groupes défiler. Donc c'est vraiment une ambiance un peu spéciale, quoi. La rentrée s'est clôturée par un autre moment attendu, la remise des médailles commémoratives et des décorations.